On en vient à cette affaire qui fait grand bruit depuis ce matin à Caluire. Un élève du lycée professionnel, André Cuzin, s'est rendu hier dans son établissement muni d'une arme. Il s'agissait en fait d'un pistolet d'alarme non chargé. Âgé de 15 ans, ce dernier s'est justifié en expliquant qu'il avait été victime de rackets. Choqué, les enseignants ont décidé d'exercer leur droit de retrait ce matin. Hier matin, un de nos élèves de terminale a surpris une conversation dans le bus qui l'amenait au lycée. Une conversation entre cinq jeunes plus jeunes de l'établissement. Il a compris dans l'agitation qu'il observait que l'un d'entre eux détenait sans doute une arme sur lui. Le jeune en question, effectivement, nous a ouvert son sac et nous a donné le pistolet correspondant qui était dans un étui sans munitions.